Alors, on se retrouve pour la suite pour coller les pages, bah, les pochettes. Donc, j'ai commencé. Bon, je ne dirais pas de trop parce que c'est pas bien sec. Je voulais coller au double face, mais non, ça n'a pas passé. Hein. Si vous êtes sûr de coller bien droit, oui, mais non. Donc, je le colle à la colle. Donc, pour ça, donc vous avez, donc moi, j'en ai déjà collé 4. Pour ça, vous allez faire un trait de 1,5. Moi, je ne me suis pas compliquée. J'ai pris ma règle, elle fait 1,5 et j'ai tiré un trait tout du long. Comme ça. Ça, c'est pour faire vous mettre le repère où c'est vous allez mettre la colle. Bah, arrêtez de mettre la colle. Donc, là, donc, on va mettre la colle au niveau du trait. Voilà, parce qu'il faut qu'ils se soient collés tous de même à peu près. Identique. Voilà. Voilà, vous regardez bien votre sens. Donc, voilà. Alors là, j'avais un pli. Donc, vous posez ici, vous positionnez et vous appuyez comme ça. Voilà. Donc, si vous prenez de la colle liquide, il va falloir attendre un petit moment que ça sèche vraiment. Voilà. Donc, je refais une deuxième avec vous. 1,5 cm et demi ou 2 cm, c'est vous qui voyez. Moi, là, j'ai choisi 1,5 cm et demi. Hop. Puis ma bordure en haut et en bas. Donc. Voilà. Je regarde mon sens où c'est que ça s'ouvre. Parce que vous ne trompez pas de sens. Voilà. Donc, on y va, on met de la colle. Vous suivez bien votre trait. Voilà. Vérifiez bien votre sens aussi de votre pochette. Parce que j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Pour ça que je vous dis ça. Alors, hop, vous posez, voilà, et vous appuyez. Le but, c'est vraiment de les coller, voilà, les uns après les autres. Voilà, donc, je fais toutes mes pochettes et on se retrouve après. Alors, on se retrouve pour la suite, pour avoir collé toutes nos pochettes. Donc, une fois collées, vous les avez collées les unes sur les autres. Ça va vous donner ça. Voilà. C'est ce qui vous permet d'avoir laissé 1 cm au bord, de vous donner l'effet accordéon autour. Voilà, ça vous donne ça. Donc là, je pense pas trop parce que c'est pas encore bien collé. Mais au moins, vous laissez sécher, bien aplati sur vous mettez quelque chose de lourd. Même moi, j'ai mis des pinces comme ça. Tout du long pour que ça colle et vous laissez sécher bien comme il faut. Pendant ce temps-là, j'ai mis donc moi j'ai couvert le bah, la boîte qu'on va dire pour mettre les pochettes de ce papier là. Donc je l'ai pris de ce bloc, si je me trompe pas, de ce bloc là, de celui là. Une action. Donc j'ai pris. J'ai coupé un morceau de 14,5 sur 16,5. J'en ai coupé deux de chaque côté. Et le fond, j'ai mis 8,5 sur 14,5. Voilà, c'est ce que ça vous donne. Pour faire l'intérieur, je vais mettre directement, moi, un papier noir. Je ne vais pas faire la moitié là, parce que je trouve que ça ne fait pas joli. Je vais faire... Donc, ça arrivera à peu près là. Donc, je mettrai un ruban. Donc, mon papier, là, que j'ai pris, il fait à peine 15. On va dire 14,8 sur toute la longueur d'une page A4. Si vous avez une page A3, c'est très bien. Comme ça, vous faites toute la longueur. Donc, moi, j'aurais pu le faire parce que j'ai des pages A3. Mais pour le tuto, je vais vous faire voir. Comme ça, ça évite la jointure de colle. Donc, soit vous le collez double face ou colle.
Moi, j'hésite encore de mettre du double face ou de la colle. Je pense que je vais partir sur le double face. Et bah, c'est parti, on y va. Alors, vous décollez pas tout, décollez qu'une partie de votre double face, à moins que vous êtes 100% de collé droit. Donc, il va m'embêter, lui, le morceau là. Donc, voilà, bien, on va faire ça. Toc et toc. Donc, partie là, vous la mettez bien. Donc, prenez votre partie qui a encore l'opercule de double face. Faut le positionner bien droit avant d'appuyer sur votre partie collante. Voilà. Ce qui fait que. Donc quand vous décollez, normalement, tout devrait être droit. Donc on va enlever la pellicule là. Donc. Donc et donc. Allez, hop, normalement, si vous suivez, alors, pour ceux qui mettent du double face, ils peuvent plier tout de suite. Ceux qui mettent de la colle liquide ou peu importe de la colle, faut attendre que ce soit bien sèche, qu'elle soit bien sec. Parce que sinon là, ça va gondoler quand vous avez plié. Là, moi, ça va pas être le cas parce que j'ai pris du double face. Donc, ce qui fait, on peut déjà plier. Ça ne va pas gondoler. Voilà. Voilà, ça vous donne ça. Ça, vous le faites ça tout de suite avec de la colle. De la colle, vous pouvez être sûr que là, ça va se décoller et ça va gondoler. Donc là, avec le double face, vous n'avez rien du tout. On va coller l'autre partie. Donc je me trompe pas de sens. Donc l'autre partie elle va venir comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça.
Alors, comme tout à l'heure, on décolle juste une partie. Voilà, donc hop. Donc là, le morceau est plus petit. Je vais déchirer mes papiers tout de suite. Ça va me gêner. Voilà, donc. Alors, je vais coller d'abord de ce côté-là. Hop, on va prendre la partie qu'on va enlever. Le reste du double face. C'est embêtant, ça encore. Voilà. 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 Et hop, on appuie. Et voilà, votre intérieur du répertoire est collé. Et ça tient tout de suite, étant donné qu'on a mis les doubles faces. Donc en papier décoratif, j'ai choisi celui-là. Donc si vous avez un motif, faites attention au sens de motif que vous allez mettre. Donc, voilà, comme ça. Donc moi je vais pas le continuer comme ça, je vais découper comme j'ai fait là. Donc on va les découper. Donc là j'ai laissé donc là on a à peine 15. Donc là j'ai dû couper à 14. 14 et là il nous faut 17. Donc je pense que ouais, 16 et demi, je pense que ça devrait être bon. On va essayer. 16 et demi. Allez, voilà, 16 et demi. Même j'irai à 16. Pour avoir le même donc 16. Alors vous coupez votre morceau à 16 sur 14, vous en coupez 2. 16 sur 14, voilà, ça vous donne ça. Donc comme je vous ai dit, attention à vos sens du sens du papier. Là moi si je le mets comme ça c'est bon, mes cœurs ils sont à l'endroit, hein, donc voilà. Et là au milieu j'ai 9 sur 15. Donc là on va prendre la largeur, donc c'est à dire 14. Je pense que celui-là ça devrait aller comme ça, comme ça. Oui, donc 14, je suis déjà coupé à 14 et je vais donc enlever 1 cm. On va mettre 8,5 peut-être. On va essayer 8,5. On va voir ce que ça donne. Dans le fond, c'est pas gênant. Ouais, on va laisser 8,5. Ça va donner ça. Hop, ça va donner ça. Donc je colle ça et on se retrouve après. Alors j'ai fini de coller la partie intérieure, mais je n'ai pas collé mon accordéon. Je vais le faire avec vous, c'est juste pour vous faire voir que j'ai mis des pinces pour le faire tenir. Qu'est-ce que ça va donner une fois fini? Voilà. Bon, je tire pas trop, parce que c'est les pinces qui le tient. Hein. Donc voilà. Donc hop. Donc moi je vais le coller à la colle et au double face. Donc vous avez donc, vous l'écartez un petit peu hein, pour donc vous avez donc
votre partie qui s'ouvre. On va le coller comme ça. On va coller d'abord cette partie-là. Peu importe le sens. Si vous avez un sens de papier, par contre, faites attention. Donc, on va coller cette partie-là. On va laisser en bas à peu près 1 cm environ de la reliure là. Ah, donc, on va... Donc, ouais, elle est 1 cm. Normalement, en largeur, vous avez pile poil la largeur. Donc, ça ne devrait pas trop poser de problème. En haut, vous laissez... Après, en bas, il faut laisser quand même un petit peu. Il ne faut pas que ça frotte. Moi, je dis 1 cm, c'est déjà bien. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous mettez 1 cm au tri un papier et vous tirez un trait. Un petit trait vraiment léger. Je vais mettre là. Là. Comme ça, ça va vous donner déjà un repère. Alors, 1 cm, 1 cm. Voilà. Donc, déjà, hop, un petit repère là pour mettre. Je regarde bien si je suis bien centrée. Donc, hop, c'est parti. Donc, vérifiez bien votre sens. Je vais mettre de la colle pour, s'il faut que je repositionne, que je puisse le faire. Bon. N'hésitez pas sur la colle, hein, parce que c'est quand même la partie qui tient le cordéon. Donc, à la force de tirer, faut que ça tienne quand même. Donc, je me mets sur ma bordure du trait que j'ai fait de 1 cm. Voilà, je le positionne. Normalement, il fait pile poil. Si je vois qu'il est trop d'un côté, je le repousse. Donc, je regarde. Hop, pour moi, je pense que c'est bon. Voilà. Normalement, il couvre toute la partie de la feuille que vous avez collée en dessous. Voilà, donc avant d'appuyer, assurez-vous bien que vous êtes bien partout. Et il faut appuyer très fort pour que la colle sans trop bouger. Donc, je vais y mettre mes pinces, avoir du mal. Mes pinces pour le maintenir avant de faire l'autre côté. C'est comme il va falloir qu'on force quand on va tirer dessus. Il ne faut pas que ça se décolle. Donc là, conseil que je vous donne, d'attendre qu'il soit bien collé. Voilà, pour ça j'ai mis de la colle et du double face. Donc on va laisser reposer un petit peu et je vous reprends après. Alors la première partie est donc collée. Nous allons coller la deuxième partie. Donc la première partie, donc vous laissez bien sécher. Le mieux c'est de laisser sécher au moins une bonne journée. Donc là j'ai mis de la colle et du double face. Donc là j'ai mis un peu de double face. Donc je vais rajouter de la colle derrière. Avant, j'ai fait un trait là de 2,8 cm de tout du long pour qu'on puisse se repérer quand on va coller la page, parce que en bas ça va être compliqué de se repérer, qu'on puisse coller la page, que le haut de la première pochette arrive bien au trait. Voilà. Une fois que le haut il est collé, après on va appuyer légèrement. C'est la partie la plus compliquée à faire. Légèrement pour coller la deuxième partie. Je trouve que c'est voilà, c'est un moment là très dur à faire. Il ne faut pas se louper surtout. Donc on enlève le double face. Qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? Elle est là. Oh, alors, n'hésitez pas à mettre beaucoup de colle. Hein. Faut que ça tienne. Hein. Faut pas avoir peur. C'est ce qui fait c'est ce qui fait tout tenir l'accordéon quoi. Donc si vous mettez pas beaucoup de colle, la force de tirer dessus, ça va se décoller quoi. Le but c'est pas que ça se décolle.
quand on crée quelque chose, c'est faut que ça dure dans le temps. Bah moi après c'est mon idée à moi. Surtout que c'est quelque chose qui n'est pas pour moi, donc généralement je fais en sorte que ça tienne. Toc. Donc alors ça va être un peu compliqué de vous faire voir, mais on va vous essayez de mettre votre main dedans comme ça et on va essayer de le coller. Déjà on va essayer de repérer première page. Voilà, donc voilà, donc moi je suis bien sur mon trait. Voilà, je laisse un petit peu adhérer le double face. Je vais essayer d'appuyer. Donc faut essayer en même temps de mettre la main dedans pour que ça se colle. Alors, le fond il se colle. Voilà, donc vous laissez la main un petit peu dedans. Dès que vous voyez que c'est bien positionné, vous mettez la main dedans pour coller bien le bord. Vous le bougez un petit peu avant que la colle sèche. Vous regardez bien de chaque côté. Là, pour moi, ça doit être bon. Donc, là et là. Donc, je mets la main bien dedans. Voilà. J'ai essayé de prendre mon piloir. Donc, bien sur le côté. Hop. Donc, dès que vous voyez, c'est un peu collé. N'hésitez pas à lâcher. Et on va y mettre des pinces. Je n'ai pas sorti mes pinces. Je les ai rangées. Donc là, je vois, moi, le fond, il n'est pas tellement bien collé. Je vais y remettre la main dedans pour le coller. Donc, vous attendez quelques minutes. Après, si vous avez une colle rapide, ça va. Comme j'ai pas mis du double face partout, parce que j'ai hésité pour pas mettre partout, parce que après, si on n'arrive pas à le faire glisser. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que c'est la partie la plus délicate. Surtout, ne tirez pas tout de suite. Hein. Vous attendez bien que ça sèche. Là, il va falloir absolument que je mette de la colle, des pinces. Je reviens. Donc, on va mettre des pinces pour faire tenir déjà le temps que la colle adhère. Donc. Voilà. Je sais pas si je peux en mettre dessus là. Alors attendez, parce que ça m'a collé ma première page, moi. Ben voilà. Faut qu'elle soit collée, elle, parce que sinon elle va pas vouloir s'ouvrir. Donc, toc. Voilà. Donc voilà, ça va vous donner ça. Bon, je tire pas trop, mais ça vous donnera ça. Donc, je laisse sécher et je vous retrouve après pour la décoration. Alors, j'ai fini le répertoire, j'ai fini de le décorer. Donc, je l'ai pas décoré, je l'ai pas fait en vidéo parce que la décoration, ça reste personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Je vais juste expliquer qu'est-ce que j'ai fait. Donc, dans mes petits livrets. Donc... j'ai mis donc un papier là, j'ai fait mes papiers, nom, adresse, téléphone, portable, email. Voilà, j'en ai fait deux de chaque, voire trois dans certaines cases, quand c'était des lettres assez plus répétitifs. Pour faire les ronds, j'ai pris ma perforatrice. Là, j'ai fait deux ronds, j'ai fait un rond blanc et un rond noir.
Pour les lettres, là, j'ai pris des lettres. Non, je les ai écrites à la scanning cut, les lettres. Mais vous pouvez les écrire à la main. Et après, je les ai perforées avec celle-là. Donc, ils font. Ils doivent faire 3 cm. Voilà, ils font 3 cm de large. Et derrière, j'ai fait un rond noir plus petit. Voilà, j'ai mis juste un papier décoré de ce côté-là. Derrière, j'ai rien mis. Donc, voilà. Donc, ben, le CD. Voilà. Le EF. Le GH. Le IJ. KL. MN, le OP, le QR, le ST, UV. Ah, j'ai de la colle là. C'est embêtant la colle. Q. Le WX. Ah bah qu'est-ce qu'ils ont tous à se coller? Et le YZ. Voilà. Donc l'accordéon se présente comme ça, hein. Voilà. Voilà. Donc derrière, je n'ai rien fait. Hein, je vais juste mettre mon étiquette fait main. Là, donc j'ai voulu faire une shaker, mais moi à chaque fois que je fais des shakers, les sequins de mal à descendre. Donc j'ai mis des petites fleurs. Donc ça c'est des fleurs qui viennent de chez un vendeur de chez Estie. Un petit nœud qui vient de chez Action. Une petite perforatrice papillon. Voilà. J'ai mis des papillons dans le pot et j'ai pas mis de couvert comme ça les papillons ils s'envolent comme s'ils s'échappaient du pot. Pour le die j'ai pris ce die de là de chez Action pour faire ma shaker. Donc en épaisseur j'ai mis 9. 9 épaisseurs de feuilles de 200 grammes. C'est-à-dire, j'ai découpé 9 fois. Non, plus que ça. 3, 6, 9, 12. 12 fois celui-là. Des feuilles de 200 grammes pour faire l'épaisseur là. Et je trouve que c'est. Voilà, c'est encore juste. J'ai mis des sequins. J'ai mis du sequin mauve de la marque Nouveau. Un bleu holographique un petit peu. J'ai mis du blanc holographique. Et j'ai mis des petites des petites vraiment des petites paillettes vraiment des mini fines paillettes bleu ouais, ça tire un peu au bleu turquoise. Et voilà, ça donne ça. Mais moi, quand je fais des shakers, généralement, ça n'a pas beaucoup qui descend. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour ma décoration, moi, elle est finie. Donc j'ai mis le même papier derrière. Donc je vais vous dire ce que j'ai pris comme matériel. Donc bien sûr, une perforatrice ronde, perforatrice papillon, des sequins pour faire la shaker. J'ai pris donc le dies de chez Action. Faire ma shaker, j'ai pris des petites perles là, les toutes petites fines là, pour mettre sur mes papillons. Là, voilà. J'ai également pris le papier dans ces deux blocs là qui vient de chez Action. Donc le premier c'est celui-là, et le deuxième c'est celui-là. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris de la mousse 3D, mais alors, tout petit, tout petit, tout petit, c'est tout petit. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est vraiment des minus pour faire tenir mes papillons. J'en ai mis deux. Donc, bien sûr, du castoc noir, en feuille noire, il en faut pas mal. Et bah, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que mes explications auraient été claires. Là, je sais même plus parler. Et puis, je vous dis à une très prochaine vidéo. Je vous dis bonne fin de journée. Bye bye!